Une nouvelle année s'est écoulée et comme l'année précédente, je me suis décidé à correctement finir le plus de jeux possible en évitant de trop en acheter sans les terminer vu la pile de jeux à faire que je me traîne. Alors, mission pas tout à fait remplie, on va dire. Alors, j'ai fait des jeux, hein, pas mal même, mais c'était surtout des jeux récents que j'ai achetés cette année. J'ai pas vraiment dépiné ma pile de en attente et j'en ai fait moins que prévu. Au final, j'ai terminé 11 jeux cette année, dont 4 dont j'ai fait des vidéos tests dessus que je vous invite à aller voir. J'aurais bien aimé en faire au moins 5-6 de plus, surtout des petits d'une dizaine d'heures, histoire d'étoffer mes connaissances vidéoludiques et changer un peu d'habitude. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, peut-être plus pour l'année prochaine. Dans tous les cas, aujourd'hui j'avais envie de faire le bilan des jeux que j'ai finis cette année, donc sous forme de micro-tests de moins de 3 minutes chacun et d'une conclusion sur l'exercice. Comme l'année dernière en fait. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par un truc que je ne fais jamais habituellement. Des tests sur des DLC. Ah, et si vous voulez sauter un jeu pour éviter des spoils ou autres, tous les timecodes sont dans la description. Xenoblade 2 Torna The Golden Country. Ouais, un DLC. Mais vu qu'on est sur un jeu pratiquement standalone avec même une boîte que je ne possède pas parce qu'elle est juste beaucoup trop chère même en occasion et qui a bien 50 heures de contenu, bah ouais, je pense qu'on peut le considérer comme un jeu à tester à part entière. Ce DLC est une nouvelle histoire complète racontant la guerre de l'Aegis, 500 ans avant les événements de Xenoblade 2, et expliquant comment tout le monde est arrivé là où il en est au début du 2. Et franchement, au niveau histoire, c'était super sympa. On comprend un peu mieux les motivations de Jin, qui en a marre de perdre ses compagnons encore et encore sans jamais s'en rappeler à cause de sa condition de Blade. On voit enfin Adam, et c'est bardé de tout plein de références à des choses évoquées dans l'histoire du 2. Le seul petit souci que j'ai avec ça, c'est qu'on sait d'avance que ça va finir dans le sang et les larmes avec la mort de milliers de personnes et la destruction de Torna. C'est un peu comme la prélogie Star Wars, on sait d'avance comment ça se termine et d'une certaine manière c'est assez frustrant. Par contre, comme d'habitude, Monolith Soft ne s'est pas foutu de la gueule des joueurs. Des nouvelles cartes complètes inédites, même si une des deux est un reskin d'une carte bien connue, une prod au poil, des nouvelles musiques meilleures que le jeu de base, un scénario de bien 35 heures, des quêtes annexes pas toujours optionnelles qui prennent du temps, montant à bien 50 heures le temps pour faire correctement le DLC, plus même si vous comptez faire les world boss qui ont clairement un gap de difficulté par rapport au jeu de base. Mais ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'ils ont refait le système de combat. D'habitude, dans un DLC, on va généralement au plus simple. L'idée, c'est de capitaliser sur le jeu de base pour l'étendre à moindre coût. Donc refaire le système de combat entièrement, c'est pas exactement économiser de la thune. Mais il faut dire que ça rend plutôt bien. En fait, le système de combat du DLC est l'évolution logique du gameplay du jeu de base, en permettant de jouer directement la lame avec le driver en support, et de pouvoir échanger entre les deux pendant le combat pour provoquer des combos, changer d'éléments pour atteindre la faiblesse de l'ennemi, etc. C'est plus profond que ce qui était permis par le 2 de base, même si on perd un peu en customisation puisqu'il y a quand même bien moins de lames disponibles. Et même si j'ai fait le 3 après ce DLC, clairement on sent que le système de combat du 3 est une évolution de Torna, qui est une évolution du 2, qui est lui-même une évolution du 1 et du X. Comme si tous les jeux étaient faits par les mêmes mecs, dis donc. Surprenant. Enfin bref, Torna The Golden Country valait largement les 20 balles que j'ai dépensées en attendant Xeno 3, et je comprends enfin pourquoi tout le monde dans la communauté Xenoblade fait tout un pataquès dessus. C'est clairement un concentré de tout ce qui est bon dans Xenoblade 2. À partir de là, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Monster Hunter Rise Sunbreak. Ouais, encore un DLC, mais pareil, il aurait très bien pu rentrer dans le cadre d'un jeu standalone. Sunbreak, c'est l'ajout du rang Master, ou G pour les plus vieux, à Rise, qui manquait cruellement de difficultés et de monstres globales. L'extension ajoute notamment des nouvelles zones, quelques nouveaux et pas mal d'anciens monstres, beaucoup de quêtes et un nouvel arc scénaristique. Franchement, pour le prix, c'est plus qu'honnête, et finalement, j'ai passé plus de temps sur l'extension que sur le jeu de base, même si c'est avant tout parce que Sunbreak contient beaucoup plus de grind que Rise. Beaucoup trop, j'ai même envie de dire. Alors, je suis quand même assez content au global. J'ai bien aimé le fait que l'extension soit plus dans un style médiéval européen par contraste avec le médiéval asiatique du jeu de base. Les nouvelles zones sont cool, notamment le remake de l'île déserte et de la tour de la Gen 2 qui ont touché ma fibre nostalgique. Le système permettant de faire des quêtes spéciales avec les PNJ qu'on peut un peu custom est sympa. Les styles swap sur les armes c'est une bonne idée, même si ça les rend encore plus fumés et donc pas vraiment nécessaire vu que j'ai trouvé l'extension beaucoup trop simple, même en solo. Par contre, j'ai quand même quelques griefs. J'ai un peu eu l'impression de me faire avoir sur les nouveaux monstres. Au moment où j'écris ces mots, l'extension contient seulement 4 nouveaux monstres inédits. Tout le reste, c'est soit des sous-espèces, soit des monstres déjà apparus avant dans d'autres titres. Ok, c'était cool de retrouver mon Punching Ball Ermitor Daimyo, mais bon, ça fait un peu chiche tout ça quand même. Je suis pas non plus hyper fan des quêtes Curios. Déjà que l'extension utilise trop le Leveling Master pour étirer la sauce, les quêtes nivelables Curios Infini pour tout débloquer et qui donnent des récompenses au compte-gouttes, c'était un peu trop pour moi. Après, sur le papier, le fonctionnement des monstres affligés où il faut taper des parties précises du monstre pour faire des gros dégâts, c'est cool, mais il aurait vraiment fallu faire en sorte que les monstres soient moins des sacs à PV.
En fait, c'est ça mon plus gros problème avec cette extension. Elle est trop simple. J'ai juste jamais perdu de quête en solo. Et le fait qu'il faille minimum 20 minutes pour faire chaque quête à la fin du jeu, ça rend tout beaucoup trop chiant. Ça serait 20 minutes de tension extrême où chaque erreur peut être la fin, comme quand je faisais Lucanlos en solo sur Freedom Unite. Ok, pourquoi pas. Mais là, c'est juste chiant très rapidement. On est hyper puissant, le gameplay est très permissif, la faune donne beaucoup de bonus, les monstres, même nouveaux, sont pas spécialement compliqués. Au début, c'est grisant, mais après, c'est vite lassant. Enfin, je dis ça, mais j'ai passé plus d'une centaine d'heures sur Sunbreak et techniquement plus de temps que sur Rise. Donc ça va en soi. Bref, Sunbreak, c'était cool, mais il a globalement les mêmes défauts que Rise, je trouve. C'est avant tout simplement une continuation du jeu de base. Ça ne le rend pas mauvais, pour le prix c'est très correct, mais je ne peux m'empêcher de penser que ça aurait pu être un peu plus. Mario Kart Super NES. J'avais dit l'année dernière que j'essaierais de faire au moins un jeu rétro cette année, et ben voilà, c'est celui-là. Récemment, je me suis pas mal éclaté sur les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe. J'ai notamment retrouvé mon flipper Waluigi adoré sur lequel j'ai fait quelques temps sympas. Et c'est donc un peu sur un coup de tête que je me suis plongé dans le Mario Kart originel, un peu pour voir quelle gueule avaient les circuits de l'époque et pour parfaire ma culture. Et bordel la déconvenue, c'était nul, mais nul. Oh. Alors, je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était le combo émulation plus Switch? Est-ce que la manette pro et le joystick c'était pas adapté au jeu? Ou est-ce que le jeu était vraiment comme ça de base? Mais le fait est que de mon point de vue, c'était pas Mario Kart, ni même Mario caisse à savon, mais Mario savon tout court. Aucun contrôle sur le véhicule, c'était insupportable. J'ai tout simplement passé mon temps à aller dans les murs. Les dérapages ne servent à rien si ce n'est s'en prendre un plus vite, manette en vain, il y a des circuits, notamment ceux sans bord, qui sont une purge, et je ne parle même pas des fois où vous devez passer dans des petits endroits. C'était horrible. Puis il y a plein de trucs débiles. Le démarrage turbo hardcore et qui te fait foncer dans ce devant, vous n'avez le droit qu'à un objet par tour, mais les adversaires en ont autant qu'ils veulent, vous perdez des pièces si vous touchez quelqu'un, même par derrière, si vous n'avez plus de pièces on peut vous rouler dessus et vous écraser, les flaques d'eau c'est littéralement des trous, les tombes peuvent parfois bloquer entièrement le circuit, et le plus chelou c'est le système de vie qui fait que vous pouvez recommencer un circuit en perdant une vie si vous finissez dans la seconde moitié. En fait, il y a vraiment plein de trucs qui donnent l'impression qu'ils ont voulu mettre des aspects Mario Platform un peu au forceps, quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Après, on sent quand même un certain potentiel, et certaines bonnes choses sont déjà là. La route arc-en-ciel, certains objets et personnages iconiques, les modes de jeu, l'aspect party game casual mais avec un potentiel pour les plus assidus. En vrai, je suis sûr que pour l'époque c'était fou et techniquement impressionnant avec son mode 7 un peu bizarre au début mais on s'y fait bien, mais aujourd'hui ça a vraiment assez mal vieilli. Je pense vraiment que les Mario Kart ont commencé à être sympas à partir de leur passage à la vraie 3D. Sans la 3D, c'est quand même pas terrible avec le recul. Bref, j'y ai passé un peu plus de 5 heures pour le finir, et j'en ai chié. J'ai fait le 50cc legit, le 100cc dans la douleur et un peu de tricherie via l'émulateur pour la coupe spéciale, et le 150cc qui se débloque une fois le 100cc complété, j'en ai fait un peu, puis j'ai abandonné. Je me faisais plus plaisir du tout. Même pour l'aspect historique, c'était trop casse-pied. Donc voilà, aujourd'hui je vous déconseille de commencer Mario Kart Super NES, surtout après le 8 Deluxe qui est quand même super agréable. Age of Empires 4. Un nouvel Age of Empires ! J'ai commencé cette année avec ce machin sorti un petit peu du fond des âges, parce que le 3 datait quand même de 2005, donc voir un 4 arriver alors qu'il avait été évoqué 20 fois comme annulé, abandonné, recommencé, bah c'était un peu la surprise. J'ai toujours bien aimé les Age of Empires, et les STR d'une manière générale, j'ai juste jamais été très bon à ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec la micro-gestion, notamment dans le 2, qui en plus d'être assez austère aujourd'hui, en demande aussi beaucoup pour pouvoir ne serait-ce que finir les campagnes. C'est pour ça que j'ai préféré le 3 au 2, boudé par les joueurs compétitifs parce que trop simple sur ses mécaniques, c'est justement ce qui m'a permis de finir le jeu. Le 4, c'est un peu un entre-deux idéal, mais qui ne s'est pas fait sans quelques sacrifices. Déjà, visuellement, c'est cool, on est sur du correct pour 2021-2022. De toute façon, c'est un jeu de stratégie, c'est pas ça le plus important. Pour ce qui est du gameplay, on est plus proche de ce que proposait le 2, mais quand même moins austère et moins complexe. On a toujours les mécaniques d'âge et de ressources propres à la série, mais avec pas mal de changements bienvenus. Les bâtiments d'âge par exemple, c'est très cool. Le fait qu'il y ait moins d'unités au global, mais plus d'unités de civilisations différentes et de façons de jouer disparaître, tout ça, c'est des bonnes idées. Par contre, ça vient aussi avec beaucoup moins de civilisations. Ouais, seulement 8 lors de la sortie du jeu, ça fait un peu short. Mais heureusement elles sont vraiment différentes, avec certaines qui sont beaucoup plus dures que d'autres à jouer. Du côté des plus simples, on a les français et les anglais, qui sont basiquement les mêmes que dans tous les jeux de la série, avec respectivement un bonus de cavalerie et d'archerie. Et du côté des plus complexes, on a les chinois, avec leurs milliards de bâtiments et d'unités, et les mongols qui ne peuvent pas récupérer de pierres à la main, mais peuvent déplacer tous leurs bâtiments rapidement. J'ai beaucoup aimé les abbassides et leur style de jeu défensif, moi qui suis très nul pour attaquer. Une bonne défense, une merveille, et voilà, il faut tenir le plus longtemps possible.
Mais ce qui m'a fait rester sur le jeu, quand même une bonne centaine d'heures c'est pas mal, c'est pas la campagne qui est sympa mais anecdotique, c'est vraiment que le jeu est agréable. On ne parle pas assez de l'ergonomie et de l'usabilité des jeux de nos jours, mais j'ai vraiment été scotché pendant quelques semaines à Age of 4, surtout parce que c'était un vrai plaisir de chaque instant. Pas de manip chiant toutes les deux secondes, pas de salade de doigts avec les raccourcis, un peu de micro-gestion, mais pas trop, une difficulté plus correcte, j'arrive enfin à battre des IA en très difficile, pas un milliard de civilisations à connaître, des petites idées sympas pour changer du 2 un peu partout sans pour autant trop s'en éloigner, tout semblait parfaitement à sa place et c'est une sensation que je trouve très plaisante. Bon, après j'ai tenté le 100% et le online, et là c'est devenu un peu plus compliqué. Le 100% est atteignable, mais c'est vraiment, vraiment long. Il y a des défis comme tuer 10 000 unités avec les lance-connais ou 5 navires en un coup avec leur navire explosif. Sans les cheeser, c'est-à-dire volontairement mettre en place les situations optimales pour les faire, je pense que j'aurais pas eu la patience. Et pour le online, ben c'est pas parce que j'ai plus apprécié le jeu et que je m'y suis mis plus sérieusement que je suis meilleur. C'est dommage, mais je me fais toujours bien rouler dessus. Et j'avoue ne pas avoir plus que ça aimé les méta en zone de siège. Donc voilà, Age of Empires 4 c'était très sympa, mais je suis toujours aussi nul. PokéClicker. Alors, celui-là, vous avez certainement dû le voir passer. PokéClicker est un cookie clicker slash idle game qui a connu cette année une très forte augmentation de popularité grâce à quelques streamers. Son principe est assez simple, chaque région de Pokémon est reproduite dans un style de carte reprenant le style du remake de la Gen 1, et vous devez refaire le parcours de l'aventure du jeu sur cette carte. Pour les combats, ça ne reprend pas le fonctionnement RPG tour par tour des jeux de base, mais c'est plutôt un système de jeu incrémental. Chaque Pokémon adverse apparaît seul, et c'est la puissance combinée de tous les Pokémon que vous possédez qui va lui être infligée à chaque seconde. Vous pouvez capturer des Pokémon à l'infini, mais seul un exemplaire compte dans votre Pokédex et dans votre équipe. Une fois arrivé au niveau 100, un Pokémon peut être transformé en œuf et couvé pendant un certain temps pour donner le même, mais légèrement plus puissant, permettant de passer des adversaires avec beaucoup trop de vie par rapport à votre attaque durant le temps imparti. Pareil, toujours dans cette logique de jeu incrémental. Et en vrai, c'est super addictif. J'ai lancé le jeu un peu sur un coup de tête, mais j'ai été happé dans le truc, c'était violent. Je pense que c'est surtout dû au fait que les premières régions sont assez rapides à faire. Il y a très peu de PEX, donc on est très souvent occupé à faire des trucs manuellement, là où sur les dernières régions dispo, Kalos et Alola, c'est surtout plusieurs semaines de PEX en laissant le jeu tourner sur les routes les plus rentables. Effectivement, bien moins fun, mais pas de bol, j'étais déjà complètement accro. En plus, le jeu est franchement assez fidèle aux différents opus. Les histoires sont relativement bien reproduites, malgré les limitations techniques du gameplay de base. On trouve même des trucs uniquement à l'issue de l'animé, comme la Ligue Orange. J'étais très content de voir qu'ils avaient réussi à intégrer plutôt intelligemment des éléments particuliers des jeux, comme la zone de combat, les baies ou le souterrain. Donc oui, j'ai passé beaucoup trop de temps sur PokéClicker cette année, et j'en suis pas fier. Et en plus, c'est con, je faisais même pas ça sur mon temps de travail, alors que c'est typiquement un truc que tu fais tourner en fond dans un onglet navigateur bien caché, et quand tu t'emmerdes, tu y joues. Mais non, comme un con, j'y jouais chez moi pendant mon temps libre. Quel crétin! En fait, c'est très chelou. Le jeu n'est pas incroyable sur le papier, après tout, la majorité du temps, je n'ai littéralement pas joué ni même simplement regardé le jeu, mais il m'a quand même scotché et pris beaucoup de mon temps libre. Je pense tout simplement que c'est l'aspect incrémental et instantané qui est juste une usine à dopamine qui fait que j'ai eu du mal à lâcher le jeu. Voir son argent monter, ses Pokémon augmenter, les petites bidouilles à faire toutes les heures, ça a un côté très satisfaisant. Après, ça a surtout fonctionné parce que j'ai joué avec le debuff de région et le fait de compléter Dex National pour pouvoir passer à la région suivante. Ça faisait que faire une région c'était parfois long, mais c'était faisable. Avec des restrictions en plus, j'aurais juste pas tenu. Donc voilà, PokéClicker c'était bien, on va dire, mais clairement si vous voulez faire quelque chose de votre vie, je vous déconseille fortement. Et j'espère ne plus jamais retomber dans ce genre de truc. Pokémon Diamant Étincelant. Alors celui-là, il date un peu parce qu'il est sorti en fin d'année dernière, mais je l'avais pas testé dans ma vidéo des jeux finis 2021, donc je vais rattraper ça. Il s'agit du remake du meilleur jeu Pokémon principal à ce jour, et c'est toujours aussi bien. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Non, plus sérieusement, il s'agit du remake de la Gen 4, plébiscité par beaucoup de monde à l'époque, et celle que j'ai le plus poncé quand elle est sortie. C'est normal, après tout, j'étais en fin de primaire début collège, et je venais de sortir de Verfeuille et Émeraude. Donc autant vous dire que quand la DS est sortie avec Diamant et Perle, bah au moins mes parents avaient la paix. Et c'est totalement ce que j'espérais retrouver avec ce remake, et qui a fait que ça s'est bien vendu. Les sentiments de liberté, d'insouciance et de découverte de cette époque de ma vie. On était clairement dans un trip nostalgique à destination des 25-30 ans, et le marketing l'avait bien compris. Et il faut dire que ça fonctionne vachement bien, même s'il y a quand même 2-3 trucs qui ont changé. Visuellement bien sûr, on est sur un top-down tout mignon avec des persos chibi, moi j'ai bien aimé, ça colle assez bien avec l'ambiance de Sinnoh je trouve, mais je sais que ça n'a pas fait l'unanimité. L'ergonomie a été repensée pour coller sur Switch, des fois ça fonctionne bien comme pour les raccourcis, et des fois moins bien comme pour la Pokémontre qui originellement fonctionnait sur l'écran du bas de la DS, mais là aujourd'hui elle est bizarrement placée sur le seul écran de la Switch.
La ligue a été retravaillée et est surprenamment bien plus dure. Franchement, je m'attendais pas à ça. Le jeu est facile pour un adulte habitué à la série, mais putain, Cynthia, elle déconne zéro, hein. Ça m'a fait tout bizarre de perdre contre elle. Pour la petite histoire, en fait, dans cette version, ils ont juste donné des Pokémon avec des stats parfaites et prêts pour la compétition. Voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi balèze. Et le dernier gros changement, c'était le souterrain, qui est à la fois mieux et moins bien. Mieux parce qu'il sert enfin à plus que chercher des fossiles. Il est plus gros et possède maintenant des cachettes où on peut trouver des Pokémon, dont certains n'apparaissent que là-bas. Moins bien parce que les bases secrètes ne peuvent plus être aménagées comme avant. Maintenant, on peut simplement y placer des statues moches pour faire varier les Pokémon que l'on peut trouver dans le souterrain. Moi, j'aimais bien décorer ma base et y mettre des pièges. Mais bon, au moins le mini-jeu de minage est toujours là, c'est le principal. Oui, parce que selon Claire, j'ai acheté le jeu à moitié pour la nostalgie et l'autre moitié pour le mini-jeu de minage sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps quand j'étais sur la version d'origine. Je dois être un nain dans un univers parallèle. Enfin voilà, Diamant Étincelant, c'était exactement ce que je lui demandais, un trip nostalgique d'un bon jeu de mon enfance qui est toujours aussi sympa aujourd'hui. Ni plus, ni moins. Lost Ark. Celui-ci, c'est une certaine déception finalement. J'ai longtemps attendu le nouveau hack and slash à l'ancienne qui allait me scotcher. J'en ai fait pas mal, et c'est sans doute le genre de jeu qui m'a le plus bouffé d'heures dans ma vie. Donc quand j'ai vu qu'on allait enfin avoir ce qui me semblait être le messie du genre en Europe, bah j'étais la joie incarnée. Ouais, parce que Lost Ark est sorti en 2013 en Corée du Sud. 9 ans pour arriver en Europe, c'est chiant. Lost Ark est donc un MMO hack and slash de fantasy, donc un Diablo-like mais avec une dimension multijoueur plus importante, et une base coréenne. J'entends par là un lore inutilement complexe, bien que stylé, dont on n'a rien à carrer, des collectibles par milliers, un grind de malade, 2 d'XP par ennemi pour des barres à plusieurs millions, ça donne envie de chialer, et un style de personnage particulier, on va dire. Perso, j'aime bien, avec ses femmes à la plastique et la physique de poitrine impossible, mais soyons clairs, c'est pas pour tout le monde. Le gameplay par contre est franchement fun, on est sur un hack and slash avec des classes variées bien que limitées par genre, une bonne barre de sorts customisable avec un milliard d'options à l'ancienne, et surtout un feeling de surpuissance généralisée. On tue des trash mobs à la pelle, on se sent balèze dès le début et pendant longtemps, ça a un petit côté jouissif très agréable. Mais si tout ça c'est très cool, les soucis viennent plus selon moi du côté MMO. Le jeu a des bons aspects empruntés au genre MMO, la récolte de ressources, le PVP, le housing, les donjons parcourables à plusieurs, les world boss, les hubs sociaux, tout ça c'est très cool, mais il y a des éléments qui m'ont bien fait chier, voire qui m'ont fait finalement quitter le jeu. Le plus énervant étant que du contenu dit solo est parfois bloqué par du multi, et je trouve ça insupportable. Dans Lost Ark, une fois arrivé niveau 50, vous débloquez un premier tiers d'armure, tout le monde a le même, et ensuite il faut parcourir des donjons, des raids et faire des quêtes journalières pour farmer des ressources particulières pour tenter de faire monter le niveau de cette armure et accéder au palier suivant. Et je dis bien tenter, c'est-à-dire que même si vous avez toutes les ressources pour faire monter de niveau une pièce d'équipement, cette augmentation peut échouer, et avant le changement de tiers, la chance de base d'une réussite par pièce, c'est 10%. Donc vous vous doutez bien que dans ces cas-là, il faut passer des semaines à farmer des zones pour ces ressources. Et les zones qui donnent le plus, ce sont évidemment les raids à 4 joueurs, qui demandent donc de la coordination. Sauf que moi, je suis un joueur solo, j'ai pas de potes qui aiment jouer à des hack and slash pendant des heures, et moi-même j'ai de moins en moins de temps à consacrer à ce genre de jeu. Et autant ça, dans un MMO, ça me dérange généralement pas. C'est du endgame, j'ai pas le temps pour le endgame, c'est pas vraiment de la faute du jeu. Mais là, c'est pas le endgame. Le niveau 50, c'est pas la fin du leveling. Quand j'ai lâché le jeu, c'était 60. Et une fois 50, il reste encore plusieurs zones complètes à faire pour avoir tout le contenu solo et suivre l'histoire principale, mais qui sont accessibles que si vous montez en tiers d'équipement, donc si vous faites du multi. Dans les faits, je suis arrivé niveau 50, j'ai grind à mort en solo et un petit peu en multi, je me suis arrêté un petit peu avant le tiers 2, et loin avant le niveau 60. Il y a un gap énorme entre le leveling de 10 à 50 qui prend environ 25 heures, et de 50 à 60 qui prend 100 fois plus de temps. Et il y a d'autres trucs qui m'ont fait chier, certains typiques des jeux coréens. La profusion inutile des monnaies par exemple, les systèmes différents qui se débloquent tous en même temps, les cosmétiques criards. Putain, quel bordel! Donc au final, pour moi, Lost Ark c'était pas le messie attendu. Je me suis quand même amusé une petite centaine d'heures dessus, mais clairement j'ai pas envie d'y passer 2000 heures comme sur un Diablo 3. Après, c'est peut-être moi qui ai pas tout compris à la façon dont on joue à jouer, peut-être qu'il y a des raccourcis de progression évidents que j'ai zappé, mais franchement, à moins d'énormément aimer le farm de cristaux de couleur et de n'avoir aucune contrainte de temps dans votre vie, ce que je vous souhaite, je trouve qu'accrocher au endgame de Lost Ark, c'est une plaie. Dommage, parce que le jeu fourmille de bonnes idées. Oui, ben c'était pas vraiment l'année que j'escomptais. Clairement, je ne suis pas vraiment sorti de ma zone de confort. Je suis resté sur des styles et des franchises que je connais, à l'exception peut-être de PokéClicker, j'avais encore jamais fait de clicker comme ça. Et bon, je me rends compte que c'est de la drogue dure, donc on va peut-être éviter de retomber dedans. Et ce qui m'énerve, c'est que ça a juste bouffé mon temps et mon espace mental. Cette année, j'aurais bien aimé faire Tiny Tina's Wonderlands, donc le nouveau spin-off de Borderlands, et aussi Elden Ring, un peu comme tout le monde,
Mais j'avais juste pas le temps dans mon planning. Oui, remarquez que si j'ai dit que j'ai passé pas mal de temps sur tel ou tel jeu, bah c'est surtout parce que ce sont des jeux où on peut faire des petites sessions. Genre Sunbreak, une quête c'est environ 20 minutes, soit une bonne pause en télétravail. Donc techniquement, ça peut vite s'accumuler. J'aimerais me faire des jeux où je me plonge dedans en immersion complète pendant des heures, mais j'ai un mal fou à trouver le temps pour ça. Être un adulte fonctionnel, des fois c'est chiant. Mais je parlerai plus en profondeur de tout ça, de tout ce que je compte changer, améliorer dans une autre vidéo de bilan 2022, non pas sur les jeux vidéo, mais cette fois-ci plutôt sur la chaîne en elle-même, qui sortira normalement dans 2 semaines, le temps que je la tourne et que je la monte. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir les stats de la chaîne, mon point de vue, qu'est-ce que je compte faire pour la suite, eh ben ça sera dans 2 semaines. Si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année 2022, et sur ce, je vous dis salut à tous, portez-vous bien!